C'est plus. Oui. Donc, c'est bon, on va commencer. Donc, bonjour à tous. Je suis encore très heureuse de vous accueillir ce matin dans le cadre du deuxième webinaire organisé par le Comité Parité et Diversité de deuxième. Donc, cette fois, comme on le sait tous, le thème, ce sera sur la place de la jeunesse marocaine au cœur du nouveau modèle de développement. Donc, j'ai vraiment le plaisir ce matin d'accueillir quatre brillants jeunes qui sont d'ailleurs très dynamiques dans plusieurs domaines. Donc, c'est ainsi que je vais accueillir Monsieur Karim Tari, qui est président de TIZI, qui est Tariq Ibn Ziyad Initiative, qui est un réseau qui forme des jeunes Marocains, des jeunes leaders de demain. J'accueille aussi Madame Shama El-Khani. Bonjour Shema, qui est fondatrice de Go for Work. Je crois que c'est une plateforme de coworking, si je ne me trompe pas. C'est ça, Shema? Exactement, oui. D'accord, ok. Et ensuite, j'ai le plaisir d'accueillir Lamia Ben Malek, qui est une étudiante en droit et qui est fondatrice de Jil Media, qui est un média pour la jeunesse maghrébine. Bonjour Lamia. Bonjour Daniel. Comment vas-tu? Ça va et vous? Très bien, merci. Enfin, j'accueille un autre étudiant qui est Ali Taleb, qui est étudiant en médecine cette fois et qui est cofondateur de Dir El Kher. C'est une initiative d'ailleurs qui a été très active pendant la riposte contre la pandémie. Donc, peut-être on aura l'occasion d'en parler tout de suite. Donc, comme je le disais tout à l'heure, nous allons parler aujourd'hui de la place de la jeunesse au cœur du nouveau modèle de développement. Et je voudrais préciser aussi pour ceux qui nous écoutent ce matin que notre webinaire, il est diffusé en live sur nos réseaux sociaux, les réseaux sociaux du Comité Parité et Diversité de 2M et aussi sur 2M.ma. Alors, ce matin, c'est de ce sujet dont nous allons parler, que nous savons tous, la place de la jeunesse marocaine au cœur du nouveau modèle de développement. On le sait tous, ça fera peut-être bientôt un an que le chantier d'élaboration d'un nouveau modèle de développement pour le Maroc a été initié, a été lancé, déjà dans le cadre d'un discours royal qui avait été donné en août 2019. Et donc, ce nouveau modèle de développement, on le sait tous, l'objectif, c'est vraiment de réduire les inégalités, d'aboutir à une justice sociale. Et je crois encore que, comme moi, peut-être tout le monde a compris qu'avec la pandémie du Covid, on a compris la nécessité vraiment d'aller vers une société plus égalitaire, parce qu'on a vu pas mal de personnes qui ont souffert de cette pandémie. Et je crois aujourd'hui que la jeunesse marocaine, vraiment, elle a toute sa place dans l'élaboration aussi de ce nouveau modèle de développement, puisque c'est la jeunesse marocaine qui est l'avenir de demain. Et je crois que quand on parle d'avenir, quand on parle de développement, on ne parle pas seulement d'aujourd'hui, on parle aussi de demain. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, cette jeunesse marocaine est censée jouer un rôle très important dans ce cadre, mais force est encore de constater qu'il y a plusieurs défis. Et vous allez certainement, je sais que vous allez en parler pendant ce webinaire, plusieurs défis sur l'économie. Il y a pas mal de personnes, de jeunes qui chôment encore, qui ont des problèmes de chômage. Et donc,
avec ça, aujourd'hui, ça reste un peu difficile encore pour cette jeunesse de s'engager. Mais au-delà de tous ces défis, comment cette jeunesse marocaine peut aujourd'hui être actrice du changement du Maroc? Quel est le rôle que la jeunesse marocaine doit jouer sur le plan socio-économique et politique? C'est de ça que nous allons parler ce matin. Et donc, je vais commencer par le premier axe qui est jeunesse et politique. Jeunesse et politique, quand on a commencé, d'ailleurs, quand on a évoqué le mot politique, j'ai vu un peu des réactions de tout le monde ici, mais on va commencer par la jeunesse et la politique. Et aujourd'hui, c'est un sujet dont on parle énormément. On parle d'une crise de confiance de la jeunesse marocaine vis-à-vis de la politique. Et je me tourne vers Karim, que je rappelle, il est président de Tizi. Est-ce que tu pourrais nous parler aujourd'hui de la place de la jeunesse marocaine dans la politique? Qu'en est-il des chiffres aujourd'hui? Qu'en est-il de l'implication de la jeunesse marocaine aujourd'hui en politique? Merci beaucoup, Daniel. Merci beaucoup à 2M et merci beaucoup au comité de nous recevoir aujourd'hui pour parler de la jeunesse qui est, j'insiste sur le sujet, est un élément important pour l'avenir de ce pays. D'ailleurs, je pour rappel, le roi, Sa Majesté le roi Mohamed VI, a rappelé lors de son 65e anniversaire de la révolution du roi et du peuple, l'importance de la jeunesse dans ce pays, dans l'avenir de ce pays. Et donc, pour parler de la jeunesse, je vais vous donner juste d'abord quelques chiffres pour rappeler que la jeunesse est présente dans ce pays. En tout cas, les jeunes, quand on parle des jeunes, qui sont, c'est les jeunes de 15 à 34 ans, représentent plus de 34% des jeunes de la population de ce pays. Et avec à peu près 50% pour les hommes et 50% pour les femmes. Ça, c'est pour dire qu'un peu les jeunes au Maroc sont présents. On a une population large de jeunes au Maroc. Maintenant, quand on revient aux chiffres par rapport à la politique, si on regarde de très près, à peine 5% des jeunes marocains ont confiance dans l'action politique et des partis politiques actuels, tandis que 70% d'entre eux se désintéressent complètement de la partie politique au Maroc. Et quand on revient à l'engagement des jeunes dans la politique, on ne tombe qu'à un chiffre qui est très minime, qui est de l'ordre de 1%, c'est-à-dire 1% de la jeunesse de ce pays est active ou est engagée dans la politique ou dans les politiques publiques de manière générale de ce pays. C'est un chiffre qui est complètement alarmant. Vous allez me dire pourquoi. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de raisons qui pourraient étayer, qui pourraient justifier ce chiffre. Vous avez parlé de crise de confiance. Et la crise de confiance, elle ne vient pas comme ça. D'abord, il faut savoir qu'aujourd'hui, au Maroc, plus de 32% des jeunes ou 32% des Marocains ne savent ni lire ni écrire. Et donc, si on veut, disons, trouver un premier argument ou une première cause de ce désintérêt, c'est d'abord l'ignorance et l'analphabétisme, parce que les jeunes aujourd'hui sont d'abord focalisés sur autre chose. Donc la partie éducative est très importante dans l'éducation de cette jeunesse, aussi bien pour la citoyenneté que pour l'engagement politique. Ça d'une part. Secondo, les jeunes aujourd'hui, peut-être que vous avez déjà vu, on a assisté à ces dernières années à plusieurs tendances. On a parlé de Tchermil, on a parlé de plusieurs scandales éducatifs, sanitaires. Aujourd'hui, le quotidien des Marocains et des jeunes est chargé d'horreur pour penser à quoi que ce soit d'autre. Aujourd'hui, le chômage touche plus de 26 à 27% des jeunes de 15 à 24 ans. Ce chômage, taux de chômage monte à 43% dans le milieu urbain. Et ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les jeunes, on a une jeunesse qui est trop distressée par son quotidien et ce qu'elle endure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un jeune au Maroc, de par les statistiques, est plus intéressé par le fait de survivre chaque jour que le fait de s'engager dans la politique. Et c'est bien dommage. Parce qu'aujourd'hui, les réponses, on en reviendra un peu plus tard, ne viendront que par la partie institutionnelle pour répondre à ces besoins-là. Troisièmement, on a un manque de confiance. Pour s'intéresser à la politique, il faut en connaître les enjeux. On a parlé d'éducation,
Mais aujourd'hui au Maroc, on a une certaine idée par rapport aux politiciens de tous pourris. C'est-à-dire que les jeunes ont perdu confiance totalement en les politiciens parce que, un, ils n'arrivent pas à avoir leurs besoins primaires satisfaits. Deuxièmement, parce qu'ils voient aussi un certain nombre de politiciens qui sont sur la scène politique depuis un certain nombre d'années. Et donc, on arrive à la partie vieillissement de la population politique ou vieillissement de la classe politique marocaine. Et aujourd'hui, donc, il y a une rupture, il y a un fossé dans ce sens. Et les jeunes ne s'identifient plus en ces institutions politiques, qu'elles soient régionales, communales, provinciales, etc., et qui sont censées être des caisses de résonance de l'expression de la volonté politique des Marocains et des jeunes en particulier. Enfin, quand on regarde un peu le système électoral aujourd'hui au Maroc, même en interne, on voit que les jeunes ont compris qu'ils n'ont pas de place. Leurs places sont maigres, bien que la Constitution et bien que aujourd'hui les lois organiques et même dans les élections, il y a une part de jeunes qui est laissée aux jeunes dans les différentes institutions législatives, notamment le Parlement. Mais quand on revient aux partis politiques en interne, les jeunes manquent d'encadrement et ne se sentent pas forcément mentorés ou plutôt ne se sentent pas forcément accompagnés dans leur développement ou leur cheminement politique. Aujourd'hui, je ne généralise pas, mais dans un certain nombre de partis politiques, la jeunesse est un moyen d'embrigadement ou un moyen de calcul politique pour les échéances électorales. Et donc, on revient à la question de la démocratie interne dans certains partis politiques. Exactement, dans certains partis politiques, et qui fait qu'aujourd'hui les jeunes se désintéressent complètement parce qu'il y a même des jeunes qui s'intéressent d'abord à la politique, qui adhèrent à des partis politiques, mais qui par la suite baissent les bras et la quittent au profit de la société civile ou d'autres types d'engagement. Donc c'est un peu le rôle des partis politiques aussi d'encadrer ces jeunes. Mais en fait, Karine, je veux juste revenir sur ce que tu disais. Mais je crois que cette crise de confiance vis-à-vis de la politique dont on parle aujourd'hui, ce n'est pas, je dis, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose dont on parle quand même depuis des années. Mais jusque-là, on n'a rien n'est fait. Jusque-là, on n'a pas pu résoudre cette question. Aujourd'hui, on se pose vraiment la question, comment est-ce que de manière concrète, on pourrait renforcer l'engagement politique des jeunes, quoi? Parce que je crois que c'est le plus important aujourd'hui. Je crois que le diagnostic sur le manque de confiance des jeunes dans la politique, je crois qu'il a été fait quand même depuis, mais on n'a pas pu jusque-là résoudre le problème. Les solutions pour avoir ce changement qui est durable dans l'implication des jeunes dans la politique passent par plusieurs points. J'avais parlé de l'avieillissement de la classe politique au Maroc. Aujourd'hui, il faut comprendre l'exemplarité. Dans certains pays, aujourd'hui, on a des ministres ou des dirigeants de partis qui étaient ministres quand les chefs d'État de certains pays avaient 5 ans. C'est juste une image illustrative de comment la classe politique, la moyenne d'âge dans la classe politique aujourd'hui, dirigeante de la classe politique, varie entre 65 et 70 ans. Donc, l'exemplarité, notamment dans le rajeunissement de la classe politique, est un exemple, est un signal fort qu'il faut envoyer aux jeunes. Deuxièmement, c'est l'exemplarité sur les valeurs. Parce qu'aujourd'hui, on a une crise de valeurs aussi au Maroc. Et les jeunes doivent s'identifier à des leaders qui prônent un certain nombre de valeurs et un certain nombre de vertus. Donc, ça d'une part. D'autre part, il faut que les classes politiques, les partis politiques jouent leur rôle de formateur. Aujourd'hui, dans la Constitution, le rôle d'un parti politique est d'encadrer la population marocaine et de la former. Or, aujourd'hui, on a un manque d'éducation. Les jeunes ne connaissent même pas comment les institutions régissent entre elles. Aujourd'hui, quelqu'un qui se balade dans la rue, il voit une route qui est complètement délabrée, va se dire, ben, le gouvernement n'a rien fait. Ben, probablement que, pas probablement, mais c'est pas du ressort du gouvernement, mais c'est plutôt du ressort peut-être d'une commune ou d'une région de la maintenance de cette route. Donc il y a déjà la formation et l'éducation de cette jeunesse
par rapport à la politique, pour qu'on ait une prise de conscience collective des jeunes sur l'aspect politique. Ça, d'une part. Et je pense qu'il faut comprendre que les générations changent. Et donc, comme les générations changent, les besoins et les attentes de la société évoluent. Donc, il faut qu'on ait un nouveau mode d'apprentissage. Aujourd'hui, on a de la digitalisation, on a les réseaux sociaux, etc. Donc, il faut que les partis politiques adoptent des nouveaux moyens de communication, s'accaparent un peu la sphère digitale dans laquelle on est en train de vivre aujourd'hui pour être plus proche de ces jeunes-là. Donc, on a parlé de ça, mais on peut parler aussi des autres aspects tels que vous avez parlé de nouveaux modèles de développement. Il faut qu'on ait des espaces d'écoute et d'échange avec ces jeunes. Aujourd'hui, quand on parle de jeunes, les jeunes au Maroc sont frustrés. Ils veulent discuter, veulent avoir la parole, veulent pouvoir discuter, veulent pouvoir échanger quant à leur avenir et quant à leur quotidien. Et aujourd'hui, il faut qu'on ait une sorte de communication intergénérationnelle, justement, pour qu'on puisse avoir cette capacité d'écoute avec les jeunes d'aujourd'hui. Donc, quand on parle de ça, on touche du doigt un peu l'aspect encadrement, l'aspect communication. Mais il ne faut pas croire que la politique intéresse tout le monde. Aujourd'hui, la politique fait peur. Quand on parle de 1%. Oui, d'ailleurs, j'allais revenir sur ça. Et là, j'allais poser une question peut-être à l'adresse de tout le monde. C'est vrai, aujourd'hui, quand on parle d'engagement politique, c'est-à-dire l'engagement des jeunes dans la politique, est-ce qu'il est question uniquement de s'enrôler dans un parti politique? Est-ce que l'implication des jeunes en politique aujourd'hui, elle ne se limite qu'à ça? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens? Peut-être là, je m'adresse à tout le monde ici. En soi, implication en politique désigne forcément une implication au sein d'une idéologie, une approche politique qui régit la vie publique d'une certaine manière en fonction de certaines convictions, un certain positionnement. Donc forcément, oui, mais au-delà de ça, les jeunes ne s'intéressent même plus à la vie civile en fait, de leur pays, et c'est bien dommage. Ce ne sont pas les fautifs. Il n'y a pas de mauvaises graines, il n'y a pas de mauvais hommes, il n'y a que de mauvais cultivateurs. Donc ce ne sont pas eux les fautifs, mais disons qu'il n'y a pas les conditions optimales pour qu'ils puissent être intéressés. Parce que l'intérêt ne se décrète pas, il se suscite. Donc il faut mettre en place des conditions nécessaires à ce que l'intérêt des jeunes soit suscité et que ça émane de leur propre volonté. Tout à fait. Et peut-être dans ce sens-là, je vais revenir sur... Aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle du nouveau modèle de développement. On parle d'ailleurs de l'implication des jeunes. Mais moi, peut-être même, j'ai une question. Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes ont été impliqués? Est-ce qu'ils ont été même abordés pour pouvoir contribuer dans ce projet-là? Est-ce qu'ils ont été contactés? Peut-être ici, parmi vous, je sais que vous êtes engagés. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a été, par exemple, contacté, engagé, est-ce qu'on a engagé quelqu'un ou contacté pour pouvoir peut-être donner son avis sur ce projet-là aujourd'hui? Moi, je vais prendre la parole. J'avais déjà intégré le groupe Tizi avec Harry. Mmh. Et c'était au début de ma carrière, on va dire, entrepreneuriale, le moment où j'avais switché entre le salariat et l'entrepreneuriat. Et je reviens vers l'expérience de Karine qui a dit que c'est vraiment une question de confiance entre les jeunes et les partis politiques. Donc aujourd'hui, moi, je trouve que cette confiance n'existe plus. Et moi, je l'ai vécu à titre personnel. Et à un moment donné, où j'ai même pas senti cette confiance entre moi et la partie politique, donc j'ai dû quitter carrément le groupe et suivre vraiment les actualités de très loin. Vas-y, Karim. Nouveau modèle de développement. Moi, en tout cas, j'aimerais parler de mon expérience personnelle. Donc, concernant mon expérience personnelle, j'aimerais répondre aussi à ta question sur est-ce qu'on doit voir l'action politique à travers les partis? Non, bien sûr que non. On ne doit pas voir l'action politique justement qu'à travers les partis. Et je pense que, d'ailleurs, les jeunes qui s'intéressent à la politique et qui veulent faire de la politique préfèrent s'intéresser à des associations, préfèrent entrer dans des think tanks, comme par exemple Tizi, comme par exemple
bien d'autres au lieu de justement s'engager dans des partis politiques à cause de cette crise de confiance. Et aujourd'hui, je pense que les partis politiques doivent véritablement faire un travail de refonte. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ils n'ont toujours pas compris, malgré tout ce qui s'est passé, malgré le désintérêt des jeunes, qu'aujourd'hui, il est temps de faire un travail de refonte. Et je pense qu'il faut faire pression justement pour qu'ils fassent ce travail de refonte. Moi, à titre personnel, par exemple, quand j'étais jeune, quand j'étais encore au lycée, la politique m'intéressait énormément. Et comme la politique m'intéressait énormément, je voulais même adhérer à certains partis politiques proches de ma sensibilité politique, en tout cas, les découvrir et découvrir leur programme. Et du coup, petite anecdote, je suis de Marrakech, du coup j'ai appelé les deux sections locales de partis politiques à Marrakech. Je les ai appelés, je leur ai dit, écoutez, j'aimerais bien adhérer, j'aimerais connaître votre programme, qu'est-ce que vous faites, quelles sont vos idées? L'un m'a raccroché au nez, tandis que l'autre a rigolé avant de me raccrocher au nez. C'est une histoire vraie, vraiment. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est vraiment temps pour les partis politiques, parce que, soyons clairs, quand vous dites, est-ce que c'est possible de faire de la politique autrement? Oui, c'est possible de faire de la politique autrement, mais pour avoir un réel impact. Il faut quand même être dans un parti, parce que c'est le parti qui va se présenter aux Tout élections, qui à va se fait, présenter tout devant à les fait. électeurs, de tout âge d'ailleurs, les jeunes et moins jeunes, et qui va forcément avoir un impact en prenant les décisions. Et du coup, si on veut justement changer les choses et prendre les décisions, si on veut que les jeunes aient un impact, ils doivent s'enrôler en politique, ils doivent s'enrôler dans des partis politiques. Aujourd'hui, ce n'est pas possible à cause justement du désintérêt des jeunes. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il est vraiment temps pour les partis politiques de créer un choc de confiance et de dire aux jeunes, voilà, on a changé. Malheureusement, on sent, et je pense que tout le monde le sait, tout le monde le pour le cas, qu'ils n'ont justement toujours pas compris. Et ça, je pense que c'est un peu malheureux. Et si aujourd'hui on est là dans ce webinaire, c'est justement pour, encore une fois, essayer de faire entendre ce message que, voilà, il faut changer si vous voulez que les jeunes, les futurs Marocains, les futurs citoyens marocains s'intéressent à vous et s'intéressent à vos programmes. Oui, là, moi, je vais peut-être revenir sur la question que j'avais. Merci, Ali. Je vais revenir sur la question que j'avais posée tout à l'heure. Parce que là, on est dans un processus où on fait la refonte, on va renouveler le modèle de développement. Et la jeunesse, elle doit être impliquée. Est-ce qu'aujourd'hui, la jeunesse est impliquée, Karim, toi qui travailles, je veux dire, sur tout ce qui est politique, est-ce que la jeunesse aujourd'hui, elle est impliquée vraiment dans ce travail-là, dans cette réflexion qui est faite au niveau national? Karim, s'il te plaît, ton micro. Ah. Ah, il faut que tu réactives le micro de Karim. Oui. Karim, tu n'arrives pas à le faire en bas à gauche? Non, Je c'est... crois que c'est Tara qui doit. Merci, merci, c'est bon. Alors, oui, on parlait du nouveau modèle de développement. Il faut savoir que dans la commission du nouveau modèle de développement, aujourd'hui, il y a quelques jeunes qui sont dans la commission, dans cette réflexion, qui ont été impliqués dans cette réflexion. Notamment de Adnan Dewi, qui est un ancien espoir Tizi, qui aujourd'hui qui est impliqué dans cette réflexion. Au-delà de ça, il y a eu plusieurs tournées de la commission dans des différentes régions, impliquant même des élèves de lycée pour la réflexion sur ce nouvel de développement. Un appel national a été lancé par la commission du nouvel modèle de développement pour les contributions de la société civile, notamment de la jeunesse, avec leurs propositions quant à ce nouveau modèle de développement. Maintenant, est-ce que, mis à part ça, les jeunes ont été impliqués? Moi, je dirais que non. Mon Tizi a été sollicité à titre individuel aussi pour organiser des webinaires, etc., au bout desquels on pourrait sortir avec des recommandations pour la commission. Maintenant, à l'échelle plus large, je ne pense pas qu'il y ait eu plus que ça comme implication des jeunes. Maintenant, si on regarde concrètement l'engagement des jeunes dans la société civile ou dans la politique pour le Maroc, aujourd'hui, il y a différentes associations comme Tizi, c'est-à-dire qui sont impliquées dans la citoyenneté de manière globale et non pas que dans la politique, parce que la citoyenneté passe avant la politique. La citoyenneté est un droit, est un devoir de nous tous. La politique est un moyen
pour justement répandre cette citoyenneté et la faire respecter. Maintenant, différentes associations sont là, qui sont des espaces de discussion, qui sont des espaces de réflexion, de débat. Aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est que les jeunes s'engagent, ne serait-ce que, pas forcément dans la politique, mais ne serait-ce que dans des associations caritatives ou des associations qui sont dans le développement durable, ne serait-ce que pour planter un arbre, mais ne serait-ce que avoir ce lien d'engagement, cet esprit d'engagement et de solidarité envers son pays. Ça, d'une part. Quand on parle aussi de la jeunesse, qu'est-ce qu'elle a pu faire ? N'oublions pas que c'est surtout la jeunesse qui a été mobilisée durant cette crise de Covid-19 au Maroc et qui a quand même lancé un certain nombre d'initiatives qui sont une liste infinie. On a les jeunes qui ont fait des masques, on a des jeunes qui ont lutté contre les violences conjugales dans les couples durant le confinement, on a des jeunes comme Ali qui a été mobilisé pour au profit des populations les plus démunies, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes sont là, ils ont du potentiel et ça me donne de l'espoir, c'est le terme que je cherchais. Aujourd'hui, on a de l'espoir en cette jeunesse, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui ont du talent, et ce talent ne demande qu'à être exploité. C'est comme un diamant qui est brut, qui ne demande qu'à être taillé pour que demain, il puisse briller à sa meilleure des façons. Donc aujourd'hui, on a des jeunes qui sont là, mais il faut qu'on mette en place les outils puisse permettre à ces jeunes de s'exprimer. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, il y a le Conseil consultatif de la jeunesse qui est inscrit dans la Constitution. C'est un conseil qui regroupe des jeunes issus des jeunesses des partis politiques et de la société civile, et qui a un rôle constitutionnel, qui devrait avoir un rôle constitutionnel pour justement traiter ce type de questions. Aujourd'hui, malheureusement, ce Conseil consultatif de la jeunesse n'a jamais été nommé pour des raisons diverses et variées, entre des calculs politiques, entre les jeunesses, etc., qu'on laissera de côté. Mais aujourd'hui, il y a quelques outils qui sont là. Il faut les mettre en place. Et n'oublions pas aussi la place de l'éducation, de l'école, parce qu'aujourd'hui, l'école, je pense qu'on doit aller vers un nouveau modèle d'éducation qui privilégie la partie engagement des jeunes. C'est-à-dire qu'on peut parler d'un mot, beaucoup parlent de modèle de PPP, partenariat public-privé. Moi, j'ajouterais le partenariat public-privé associatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut, dans le cadre de la formation ou de le développement des apprenants et des élèves durant leur carrière, injecter des moments, des stages, par exemple, de citoyenneté dans des associations, etc., et avoir cette fibre d'engagement pour les jeunes. Dans la suite, d'ailleurs, je crois qu'on va parler de l'aspect social, mais je voudrais juste préciser que quand je parlais tout à l'heure de l'engagement, de l'implication des jeunes dans l'élaboration du nouveau modèle de développement, je veux juste préciser que la commission, elle a eu à mettre en place aussi un site pour recueillir les avis de tout le monde. Donc, je crois aussi que les jeunes, ils ont la possibilité aujourd'hui peut-être de donner leur avis à travers ce site-là. Donc, nous allons peut-être passer maintenant à l'axe économie. C'est vrai que tout à l'heure, on parlait d'une implication des jeunes d'1% dans les partis politiques. Mais aujourd'hui, est-ce que au niveau de l'économie, c'est beaucoup mieux pour les jeunes? Ou est-ce qu'on en est aujourd'hui de la participation des jeunes à la vie économique? Et là, je vais m'adresser à Shema, qui est fondatrice de Go for Work. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui ce qu'il en est, je veux dire, de la participation des jeunes dans la vie la vie économique au Maroc? Merci Daniel, merci Kelly pour la présentation. Aujourd'hui, nous on voit que la présentation des jeunes marocains dans l'activité économique est développée de plus en plus. Et ce qui fait preuve de ça, c'est surtout la période du Covid-19. On avait pas mal de projets qui ont été mis en place par des jeunes, que ce soit dans les secteurs de la santé, l'éducation ou l'associatif, comme elle a dit. Et donc aujourd'hui, vraiment, la jeunesse marocaine a joué un rôle très important pendant cette crise. Et ça nous fait à penser à une réflexion que le rôle des jeunes marocains aujourd'hui a une importance économique. Et il faut juste croire en eux et leur permettre de développer leurs projets et mettre en place ces projets dans le marché. Oui, mais aujourd'hui encore, je crois, le taux de chômage des jeunes, je comprends parfaitement ce que tu dis, aujourd'hui encore, le taux de chômage des jeunes est élevé.
quand on prend les chiffres du HCP, je ne sais pas, on parle de quel chiffre. Karim, je crois, il parlait d'un chiffre tout à l'heure, je ne sais pas, c'était de 24%, je me rappelle plus très bien. Du pays. Et Karim, voilà. Tout à l'heure, c'est 49% des jeunes marocains qui ne sont ni à l'école ni au travail pour le moment. Voilà. Donc aujourd'hui, on a ce problème-là de la contribution des jeunes à la vie économique. Est-ce qu'aujourd'hui, on va dire que ce n'est que la question de l'éducation, peut-être qui freine cela ou je ne sais pas, je sais pas. Qu'est-ce qui freine aujourd'hui? De manière simple, je vais poser la question, qu'est-ce qui freine aujourd'hui, je veux dire, l'implication des jeunes dans la création de richesses par l'entrepreneuriat notamment, ou encore l'accès à l'emploi? Alors, aujourd'hui, il y a deux volets que tu viens de citer. C'est vraiment accès soit à l'entrepreneuriat, soit au marché d'emploi. Pour répondre à ta question, ce sont deux volets qui sont différents. Si on parle de l'entrepreneuriat, c'est vraiment le défi de la participation à la prise de décision. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, les jeunes marocains, ils ont fait preuve d'organisation, de volonté et de prise d'initiative avec tous les projets qu'on a vus sur les secteurs de santé, l'éducation et l'associatif durant la période du Covid. Donc, ça prouve qu'aujourd'hui, les jeunes, ils ont besoin d'un accompagnement professionnel, de la motivation professionnelle, de croire en eux, de croire à leurs projets et leur permettre vraiment de passer à l'action. Si on veut partir sur le volet emploi, là, on va parler de la partie avant Covid. Parce que la partie après Covid, c'est tout un plan de reprise économique qui va changer et qui va développer sur plusieurs volets. Et donc, je dirais qu'avant Covid, ce qui freinait vraiment les jeunes à intégrer les entreprises marocaines, c'est les conditions exigées par l'entreprise marocaine. On va te donner juste un petit exemple. C'est la condition de nombre d'années d'expérience. Donc, on trouvera généralement c'est des minimum 2 ans d'expérience, 3 ans d'années d'expérience exigées par l'entreprise marocaine. Sachant qu'aujourd'hui, dans les 10 prochaines années, ce n'est plus l'enjeu, on va dire, l'enjeu de certificat ou l'enjeu du diplôme, mais c'est aussi un enjeu de capacité, plutôt de compétences et de soft skills chez les jeunes marocains. Aujourd'hui, l'entreprise marocaine, avant de recruter, il faut revoir les capacités, les soft skills du jeune marocain et la valeur ajoutée du recruté au sein de l'entreprise marocaine aujourd'hui. Et c'est ce qui bloque la jeunesse marocaine aujourd'hui, ou plutôt de switcher dans le domaine d'expertise et partir vers le domaine de l'offshoring. Lamia, peut-être je vais te poser une question aussi par rapport à ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, là, on a peut-être parlé de manière générale des jeunes marocains de manière générale. Mais aujourd'hui, est-ce que tu penses que cet accès à l'emploi aussi ou la possibilité d'entreprendre, est-ce qu'il y a aussi des questions, je veux dire, ça varie aussi en fonction, je veux dire, de l'origine des jeunes, de là où ils vivent, d'où ils viennent. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un déséquilibre social à ce niveau? Est-ce qu'il n'y a pas des jeunes qui n'ont pas peut-être la possibilité d'accéder au marché de l'emploi contrairement à d'autres? Bien sûr, ça va de soi. Il y a un grand, grand écart entre les jeunes qui sont issus de milieux privilégiés ou juste de la classe moyenne et les jeunes qui sont issus de milieux défavorisés et sur plein de plans. Et ça s'étale sur tout leur parcours, c'est-à-dire de l'éducation, du lycée et tout ce qu'ils vont accumuler comme savoir, mais aussi comme soft skills. Ils ne vont pas avoir le même bagage culturel que quelqu'un qui vient d'un lycée privé, par exemple. Et ça se concrétise même dans des choses toutes simples, même pour devoir se rendre à un entretien d'embauche, il est beaucoup plus compliqué d'avoir recours à un service public qui ne sont pas forcément très étendus, qui ne sont pas de la meilleure qualité, alors qu'un jeune qui bénéficie peut-être soit d'une voiture ou de parents autorisés a déjà beaucoup plus de chances. Donc, bien sûr que cela varie beaucoup. Il y a un bagage social qui est très important. Et qui joue souvent, en plus, qui joue souvent en défaveur de ceux qui sont les moins favorisés, ça c'est sûr. Oui.
Mais peut-être, Chama, est-ce que toi, tu pourrais nous parler aujourd'hui? Je sais que toi, tu as entrepris, tu es entrepreneur. Est-ce que tu peux nous peut-être nous parler de ton expérience? Je crois que peut-être ça va aussi aider plusieurs de nos internautes jeunes qui nous écoutent. Et je crois que peut-être aussi chacun d'entre vous pourra partager son expérience. Je sais que Lamia, par exemple, tu es à l'origine de Jil Media, qui est un média qui est destiné à la jeunesse maghrébine. Et à travers laquelle tu parles de plusieurs questions d'ordre social. Voilà, ça reste des initiatives et peut-être vous pouvez partager vos expériences, je crois qu'ils pourront aussi aider ceux qui nous écoutent. Voilà. Oui, Merci Daniel. En fait, moi, j'avais un parcours qui est 100% en finance, audit et contrôle de gestion. Donc, j'ai une licence en audit et contrôle de gestion et puis un master en management des entreprises. Et mon but, c'était vraiment d'avoir une expérience professionnelle dans plusieurs multinationales pour pouvoir développer mes compétences, mes soft skills. Il y avait toujours un rêve qui m'accompagnait, c'était vraiment de lancer mon entreprise à l'âge de 26 ans. Donc j'avais déjà cet objectif qui m'accompagnait durant tout mon parcours. Et je me suis dit, il faut que je bosse dans une entreprise pour comprendre un petit peu la hiérarchie, comment ça se passe sur plusieurs volets, sur plusieurs domaines et plusieurs secteurs surtout. Et du coup, j'ai passé 6 ans en salariat et depuis 2017, j'ai switché et j'ai lancé mon entreprise qui est l'espace de coworking. Mais avant ça, j'ai intégré des associations qui font vraiment l'accompagnement des startups et des porteurs de projets pour bien comprendre le secteur, de quoi il s'agit, c'est quoi le business, c'est quoi les soft skills qu'il faut avoir pour gérer une entreprise, pour gérer une équipe, pour faire face à des crises comme ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et par la suite, je me suis lancée dans l'expérience en 2017 et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'il faut adresser aux jeunes aujourd'hui qui veulent se lancer en entrepreneuriat, c'est qu'il faut croire en soi, il faut croire en son projet avant de permettre à quelqu'un de juger le projet ou de donner son avis. Donc, c'est cette confiance en soi qui va permettre à ce genre d'entreprendre, de convaincre, que ce soit l'État ou le secteur privé ou public, de collaborer et de partager aussi des projets en commun. Oui, donc moi je relève ici en fait ce que tu as dit, l'accompagnement pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Et Lamia, est-ce que tu pourrais peut-être nous dire ce qu'il en a été de toi? Est-ce que c'était aussi de l'accompagnement? De quoi est-ce que tu as bénéficié peut-être pour lancer Gil Media? Oui. Alors, très honnêtement, je n'ai bénéficié de rien du tout. Vraiment, moi, je vais en parler sous le prisme vraiment d'une initiative citoyenne. Je suis partie du constat que malheureusement, enfin, les réseaux sociaux sont un moyen juste génialissime de communiquer, mais il n'y a pas assez de contenu, en tout cas de contenu maghrébin, marocain, qui est destiné à la jeunesse. Et qui a pour objectif vraiment de faire autre chose que vraiment le divertissement superficiel. Donc, je me suis dit pourquoi ne pas commencer des vidéos? C'est parti avec l'idée de faire plusieurs épisodes pour sensibiliser sur les violences que subissent les femmes marocaines quotidiennement. Donc, j'ai commencé par l'harcèlement de rue, puis on a abordé d'autres thématiques comme la liberté vestimentaire, l'avortement. On a eu l'idée de lancer une mini campagne de sensibilisation pour le 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes, qui s'appelle Konimra. Et ça nous a un peu aidé, un tout petit peu à nous faire connaître, parce qu'on est encore un mini, mini média digital, et que de toute façon, pour l'instant, ce n'est pas à but lucratif, c'est vraiment pour ouvrir le débat déjà sur plusieurs sujets très importants et surtout sensibiliser, vraiment. Le maître mot, les maîtres mots, c'est sensibiliser, informer la jeunesse maghrébine. Donc, du coup, cette campagne de sensibilisation, on a eu de la chance. On n'a même pas sponsorisé, rien du tout, fait aucune promotion. Ça a eu l'effet vraiment. On n'attendait même pas cet effet-là sur les réseaux sociaux. Je pense que là, on a 700 000 vues sur Facebook, quelque chose comme ça. Donc, ça a vraiment eu un grand écho auprès des Marocains en général, pas que les jeunes.
Et ça nous a donné espoir pour continuer de créer du contenu dans ce sens-là. Et Ali, peut-être tu peux aussi nous en dire. C'est Donc, vrai que sur le c'est volet difficile. économique, Anna, pourquoi vous cachez? Merci beaucoup, Daniel, justement de me convier à parler sur le débat économique, même si justement ce n'est pas mon domaine de spécialité. Et moi, j'aurais quelques propositions assez radicales parce que forcément, même si je suis étudiant en médecine, ben, je suis assez engagé et impliqué et j'aime mon pays. Alors moi, mes propositions assez radicales, pour ne pas vous mentir, ils sont inspirées de l'économiste marocain Youssef Saadani, qui est directeur économique à la CDG, qui a été justement nommé membre de la commission spéciale sur le nouveau modèle du développement, et qui dit quelque chose de très intéressant. Il parle de la jeunesse, il parle des jeunes, il ne parle pas que de ça, il parle aussi de la croissance marocaine, il parle aussi de l'économie marocaine, et il propose un nouveau concept pour mieux comprendre et appréhender en fait les divisions au sein de la société marocaine, parce qu'on ne va pas se mentir. Pourquoi a été créée la commission spéciale sur le nouveau modèle de développement? Parce que beaucoup de personnes, jeunes et moins jeunes, avaient une certaine déprime, n'avaient plus autant confiance en les politiques publiques, n'avaient plus autant confiance justement le Maroc de demain. Et tu as parlé d'un joli mot tout à l'heure, Karim, tu as parlé d'espoir. Justement, il faut réinventer l'espoir, il faut de nouveau remettre l'espoir au cœur de la machine marocaine. Donc, Youssef Saadani, il invente un nouveau concept. Il dit que pour comprendre justement que les jeunes peuvent ne pas trouver d'emploi au Maroc, que les jeunes peuvent avoir des problèmes justement pour trouver de l'emploi au Maroc, c'est que au-delà de l'inégalité, parce que l'inégalité s'est basée sur des données économiques, il parle d'un nouveau concept qui s'appelle la polarisation sociale. La polarisation sociale, on la voit tout d'abord dans l'éducation. Il faut réinventer notre modèle éducatif pour que justement les jeunes aient toutes les capacités pour l'emploi. Aujourd'hui, il y a deux humanités, on ne va pas se mentir, qui cohabitent au Maroc. Il y a ceux qui vont dans les écoles privées, qui parlent, on va dire, mieux français ou parlent mieux les langues étrangères, et ceux qui vont dans les écoles publiques, où l'éducation n'est pas aussi bonne que dans les écoles privées. Ça, c'est un véritable problème, c'est une polarisation sociale. Et aussi le transport, comme tu as dit tout à l'heure, le mien, aujourd'hui, tu as 20% de Marocains qui ont des voitures, peuvent se déplacer, etc. Et tu as le reste qui sont coltinés dans des transports publics. Bon, on a vu les avancées à Casablanca avec Irizar, avec Alza, mais aujourd'hui, les transports publics sont une véritable, je dirais pas catastrophe, mais sont un véritable problème au Maroc. Il y a des avancées, Rabat, Casa, etc., mais c'est toujours un problème. Il y a un véritable problème de mobilité urbaine et aussi dans le rural. Et bien sûr, et là j'en parlerai sûrement plus tard, aussi dans le social, aussi dans la santé. Aujourd'hui, il n'y a pas le même hôpital pour tout le monde. Il y a l'hôpital public où les soins ne sont pas toujours très bien, où il y a un manque de médecins, où il y a un manque d'infirmiers, où il y a un manque de matériel, et le reste de la population qui est obligée de se cotiser dans les cliniques privées, parfois à des prix exorbitants. Donc aujourd'hui, il y a un problème de polarisation sociale qui crée deux humanités différentes au Maroc. Une majorité qui aujourd'hui ne parle pas les mêmes langues qu'une certaine minorité. Une majorité qui n'a pas forcément les mêmes habitudes de vie qu'une minorité. Et pour réinventer le nouveau modèle du développement, il faut tout d'abord réinventer une nouvelle cohésion sociale. Parce que c'est juste à travers une nouvelle cohésion sociale qu'on va réinventer le nouveau modèle de développement, notamment sur le volet économique. Tout à fait. Donc, ce point d'ailleurs, ce point sur la cohésion sociale, on va l'aborder tout à l'heure, tout de suite d'ailleurs, avec Lamia. Comme je le disais tantôt, pendant la crise de la COVID, on s'est vraiment rendu compte encore des inégalités. Je crois que les inégalités, elles étaient encore plus prégnantes parce qu'il y a pas mal de personnes qu'on a vraiment découvert, on a découvert leur vulnérabilité. Ici, je vais parler des jeunes. Avec l'enseignement à distance qui a été, je veux dire, avec la pandémie, on a été obligé de migrer vers l'enseignement à distance. Et en raison de ces inégalités, on sait qu'il y en a qui n'ont pas pu accéder à l'enseignement comme d'autres. Il y a ceux des milieux ruraux, malheureusement, qui n'ont pas eu l'accès à l'éducation à la même, je veux dire, tout comme ceux des milieux urbains. Et donc aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut parvenir à assurer l'inclusion sociale de toutes ces catégories de jeunes Lamia? Comment est-ce qu'on pourrait mettre fin à cette fracture-là et parvenir à plus d'inclusion de la jeunesse marocaine? Alors, tout d'abord, j'aimerais remercier le comité parité diversité. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire en début de webinaire, non seulement pour l'invitation, mais aussi pour l'initiative
qui est extrêmement salutaire. C'est un sujet qui me parle beaucoup parce qu'en tant que Marocaine, je me suis toujours sentie concernée par le devenir de mon pays et par son développement. Et quand je dis développement, ça englobe tout le processus, donc de l'élaboration du modèle, de la mise en place des moyens d'action jusqu'à la mise en pratique concrète. C'est quelque chose qui m'a vraiment toujours intéressée, mais je n'ai jamais pu y accéder. Et le constat que j'ai fait, c'est que très, très peu de jeunes peuvent y contribuer de manière directe. Et pourtant, ce ne sont pas les Marocains, les jeunes Marocains qualifiés, désireux de s'investir dans le développement de leur pays qui manquent. Et par manque d'espace, tu l'as très bien dit, Karim, tout à l'heure, nous ne sommes pas invités à prendre part aux décisions et à la vie publique. Et nous sommes souvent sous-représentés. Et moi, j'éprouve même le sentiment que notre légitimité est moindre par rapport à celle de nos aînés. Et cette frustration, pour moi, elle est double parce que, en tant que femme, nous sommes également sous-représentés et nous prenons moins part à la vie publique que les hommes. Et cela fait écho, bien sûr, à la problématique qu'on aborde aujourd'hui. Alors, Daniel, tu me demandes, les filles et les garçons aujourd'hui, tous les jeunes du monde rural et urbain qui n'accèdent pas tous au même titre à l'éducation, comment assurer une inclusion sociale? Alors, tout d'abord, il y a plusieurs éléments observables qui permettent de constater qu'une part importante de la population marocaine est en marge de la participation au processus du développement. J'ai trois grandes franges que j'ai notées de la population, qui sont les femmes, les jeunes et le monde rural, comme on l'a très bien dit tout à l'heure. Et j'ai souligné, enfin, j'ai relevé par le biais d'un rapport émis par le Conseil économique, social et environnemental, trois indicateurs qui témoignent de cette marginalisation. Premièrement, le taux d'activité des femmes ne dépasse pas 21,8% en 2018. Deuxièmement, 71,5% de la population rurale travaille dans un secteur à faible productivité, comme le secteur primaire. Et troisièmement, le taux de chômage des jeunes constitue au niveau national 2,8 fois le taux de chômage global, ce qui traduit ainsi un marché qui favorise les insiders, comme on les appelle, par rapport aux jeunes qui sont des outsiders et pourtant primo demandeurs d'emploi. En ce qui concerne les femmes et donc la réduction des disparités entre sexes, la concrétisation de l'ambition de développement implique de transformer sans plus tarder la situation des femmes et notamment sur le plan économique, le plan social, le plan culturel et le plan sociétal. Et c'est pour cela que le Maroc a impérativement besoin de relever le taux d'activité des femmes. Donc, il est nécessaire que toutes les forces vives du pays s'engagent en faveur de la réalisation de trois objectifs stratégiques. Premièrement, instaurer un cadre institutionnel et juridique qui garantit l'effectivité de l'égalité entre les femmes et les hommes relativement à la Constitution. Notre Constitution qui pose ces principes-là, ainsi que de nombreuses conventions que nous avons signées et ratifiées. Deuxièmement, assurer aux femmes des conditions d'accès au travail optimales et les sécuriser vers et sur les lieux du travail. Nous n'appréhendons pas l'espace public de la même manière que les hommes. Et troisièmement, faire émerger de nouvelles représentations sociales des femmes financièrement autonomes par le biais, par exemple, de médias comme 2M, qui le fait très bien depuis quelques années, et de manuels scolaires. De plus, il est bon de rappeler que l'État doit élever, bien sûr, au rang de priorité nationale, l'éducation. L'éducation, c'est le nerf de la guerre. Et donc, il faut absolument améliorer notre système d'éducation et de formation nationale et le centrer davantage sur l'apprenant, afin de l'impliquer de manière effective, tant bien lui que les parents, les élèves, les collectivités locales, toutes les parties prenantes de ce système de gouvernance et d'évaluation de l'enseignement. Dans l'objectif final, bien sûr, de former un citoyen de la façon la plus optimale possible pour qu'il soit acteur du progrès économique et social. Et c'est fondamental, surtout en ces périodes. Étant, bien sûr, en pleine mutation technologique et en confinement, il me paraît opportun de souligner aussi le besoin de généraliser le digital dans le système de l'éducation et de la formation. Daniel, tu as parlé du manque de moyens. Il faut savoir que l'État a mis à la disposition des plus nécessiteux des ordinateurs portables et aussi de nombreuses actions bénévoles, notamment je pense
un organisme qui s'appelle Maroc Impact, qui ont mené de grandes actions vraiment salutaires, qui ont permis à beaucoup de jeunes d'avoir accès à une éducation digne de ce nom, enfin, en tout cas, à une éducation digitale. C'était le plus important au vu de l'urgence de la situation. Et bien sûr, éradiquer l'analphabétisme en renforçant des moyens d'intervention d'organismes spécialisés comme l'Agence nationale de la lutte contre l'analphabétisme. D'accord. Karim, tout à l'heure, quand tu parlais, merci Lamia pour ton intervention. Tu nous montres qu'effectivement, il est important de pouvoir travailler sur cela en mettant en place vraiment des actions concrètes pour pouvoir aboutir à une société plus égalitaire. On ne peut pas juste se limiter aujourd'hui simplement à des slogans, il faudrait poser réellement des actions concrètes. Merci infiniment. Et peut-être, Karim, je vais revenir vers toi parce que tout à l'heure dans ton intervention, tu parlais encore de cette question d'éducation. Est-ce que tu aimerais encore nous dire quelque chose à ce propos concernant... Carrément, parce que au-delà de mon engagement associatif, je travaille dans le domaine de l'éducation chaque jour. Et d'ailleurs, je suis dans une classe, une salle de classe. Je vous parle depuis une salle de classe. Concrètement, pour la partie éducation, on a beaucoup parlé de l'emploi. On t'entend mal, Karim. On a parlé d'éducation, etc. On doit, quand on revoit le modèle éducation, vous m'entendez? Oui. Oui. Vas-y, Karim. On t'entend. Alors, quand on parle d'éducation, moi, je vois deux choses. Il y a l'éducation, quand on parle d'éducation élémentaire. Moi, je pense que les jeunes doivent être depuis la créativité, l'innovation, parce qu'aujourd'hui, on ne doit pas former des... Est-ce que vous l'entendez? Une population de jeunes pour qu'ils aillent... Allô? Oui, là on t'entend mieux, mais je crois qu'il y a un problème de connexion, Karim. Il faudrait que les jeunes aujourd'hui, que le modèle d'éducation soit renouvelé, remodelé pour que les jeunes soient plus éduqués sur de l'innovation et de la créativité, pour que non pas demain ils deviennent des salariés, mais que demain eux ils créent de l'emploi. Pour qu'ils n'aillent pas chercher de l'emploi, mais pour qu'ils en créent, pour qu'on soit un pays de création et de créativité, un pays de start-up, un pays où on va créer de l'emploi, on va créer, innover. Ça, c'est pour l'éducation élémentaire. Mais quand on arrive à l'éducation supérieure, parce qu'on n'en parle jamais, on n'en a pas parlé durant cette discussion, l'éducation aujourd'hui, l'éducation supérieure doit être en lien avec la réalité. Aujourd'hui, on continue encore de former pour des jobs ou pour des métiers qui sont en voie de disparition. Aujourd'hui, ce qu'on devrait faire, c'est avoir un observatoire national des métiers futurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on peut mettre en place un observatoire qui va détecter quels sont les métiers qui vont apparaître, quels sont les métiers qui vont disparaître. Et ça va découler tout simplement de la stratégie, nos stratégies nationales du nouveau modèle de développement, vers quoi on va s'orienter. Et deuxièmement, des signaux forts et des petits signaux faibles qu'on a à travers les tendances mondiales. Aujourd'hui, avec la digitalisation, il y a plein d'opportunités qu'on peut exploiter. Aujourd'hui, il y a plein de métiers qui vont disparaître et on doit anticiper cette vague parce que demain, les métiers qui vont disparaître veut dire que c'est du chômage pour les personnes qui travaillent dans ces secteurs-là au Maroc. Et pour le Maroc, de les exploiter. Mais il faut qu'on soit réactif. Je pense qu'il y a un problème de... Ok, un problème de connexion. Elle est essayée de mettre la 4G. Il y a un problème de connexion. Et donc, c'est vrai que... Et,
Je vais peut-être rebondir. Comme Karine, il a un problème de connexion, je vais rebondir. C'est vrai que tout à l'heure, on a parlé... Bonne filière dans l'éducation supérieure pour justement profiter de cette opportunité, être avant-gardiste. Et... Alors, Karim, on va te prendre après, on va prendre ton avis après. Comme il y a un souci de connexion, je vais passer à peut-être à une autre question. Tout à l'heure, on parlait d'éducation, d'accord? Vraiment de démocratiser l'éducation de qualité à tous, qu'il soit du rural ou qu'il soit de l'urbain. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'éducation est vraiment un aspect social? Comment faire aujourd'hui que le mérite, peut-être sur la base de l'éducation, soit le seul ascenseur social, parce que ça aussi, c'est un problème. Est-ce que Lamia, tu peux nous parler de ça, peut-être? Comment faire aujourd'hui que le mérite, l'éducation, soit le seul ascenseur social? Alors, c'est vrai que c'est primordial de parler d'ascenseur social, parce qu'aujourd'hui, au Maroc, notre mobilité sociale est ascendante et très limitée. Dans le contexte actuel, seuls 3,1% des enfants des agriculteurs et 6,3% des enfants des ouvriers accèdent à un poste de cadre moyen ou supérieur, selon une étude du Haut Commissariat au Plan sur la mobilité intergénérationnelle. Et seulement 35% des individus de 35 ans et plus ont connu une mobilité sociale ascendante par rapport à leurs parents, les autres ayant plutôt stagné ou régressé. Donc, on est vraiment dans une situation où il faut enclencher ou réparer un ascenseur social qui est peut-être pas en panne, mais en tout cas qui ne fonctionne pas bien. Une société plus égalitaire nécessite une profonde amélioration de nos services publics qui doivent impérativement assurer le droit des citoyens à un service de transport collectif décent, sûr et de qualité, garantir l'accès à un logement digne, décent et un cadre de vie, ériger l'accès à la culture, au sport, à des espaces artistiques, garantir une offre de soins de santé de qualité. Tu as très bien fait de nous parler tout à l'heure, Ali, de polarisation. Il y a vraiment un énorme écart, en fait, entre les services privés et les services publics. Et ce n'est qu'en période de crise sanitaire que les plus privilégiés ont ouvert les yeux parce qu'ils étaient obligés de se faire soigner au même niveau que tout le monde. Ouais. Donc, j'espère que cette crise sera salutaire par la suite et qu'on aura, je dirais, la décence, parce que vraiment, c'est l'urgence est à la précarité, l'urgence est à l'inégalité de réformer vraiment nos systèmes publics. Une société égalitaire doit doter tout un chacun des compétences et des conditions qui lui permettront de jouir et de bénéficier équitablement des retombées positives du développement de son pays. Et une société égalitaire, c'est une société soudée, bien sûr, solidaire, prospère, qui repose sur des institutions, des politiques publiques, mais aussi un sentiment commun d'appartenance que, je pense, il faut aussi encore plus cultiver. C'est exactement ça. Avec ce point que tu viens de relever sur les questions sociales, je veux dire sur l'accès à la santé, on va aller comme ça directement vers le dernier axe de notre échange d'aujourd'hui. Et je vais parler de santé avec on va parler de santé. On a un étudiant de médecine parmi nous, un homme de terrain, je crois, un homme de terrain qui sait comment ça se passe. Est-ce que aujourd'hui, Ali, est-ce que tu peux nous parler aujourd'hui, de la santé en tant que personne de terrain? Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui quelle est la perception, déjà quel est l'état actuel de la santé et quelle est la perception des jeunes de la santé aujourd'hui? Bon. Donc, tout d'abord, pour poser le constat, je pense que si je pose la question à chacun de vous, est-ce que vous, quand vous avez un bobo, quand votre enfant a mal, quand votre frère sera mal, est-ce que vous allez à l'hôpital public? Je pense que vous tous, vous allez me dire non. Voilà. Donc, le constat est directement posé. Pourquoi? Tout simplement parce que certains disent, moi, je n'ai pas d'étiquette politique, parce que certains disent c'est les politiques néolibérales mondiales, mais en tout cas, l'État, par volonté politique, par choix ou par laisser aller tout simplement,
a voulu diminuer le budget consacré à la santé. Quelques chiffres, aujourd'hui, le budget consacré à la santé au Maroc est de 7,27%, alors que l'OMS, elle recommande que dans les pays en voie de développement, je ne parle pas des pays développés, en voie de développement, on soit au moins 12%. J'aimerais aussi dire que dans les pays voisins, nous sommes à un ratio de 50 000 médecins ou personnels ou professionnels de santé, alors qu'au Maroc, on est à 25 000. C'est-à-dire que si on veut juste atteindre le ratio des pays voisins du Maroc, et encore une fois, je ne parle pas des pays développés, il faudrait doubler le nombre de recrutements en professionnels de santé. Donc, clairement, il y a un manque de moyens parce que l'État, encore une fois, par volonté politique ou par laisser-aller, a préféré se consacrer à d'autres domaines, ce qui est tout aussi louable comme les infrastructures. On a fait au Maroc un bond en avant en infrastructures, on a fait un bond en avant dans pas mal de classements internationaux sur la compétitivité, en économie, etc. Mais aujourd'hui, sur le plan social, il faut refonder notre modèle social, notamment sur la santé. Je pense que la crise qui a eu lieu a montré justement les limites de notre modèle de santé, a montré que c'était une véritable urgence. Donc, il y a un manque de moyens. Encore une fois, quand on dit l'hôpital public, je sais que beaucoup de gens pensent que c'est un tonneau de Danaïde des finances publiques, c'est-à-dire que c'est un abysse sans fin où on va dépenser de l'argent pour rien, alors que c'est faux. Alors qu'au Maroc, on a une excellente éducation médicale, une excellente formation médicale, que nos médecins peuvent aller n'importe où dans le monde, peuvent aller faire leur spécialité n'importe où dans le monde et qui sont reconnus à leur juste valeur. Dernier exemple en date, Monsef Slaoui, immunologue formé dans l'école publique marocaine, marocain justement, et quand on lui a donné les moyens, quand on lui a donné sa chance, regardez ce qu'il a fait, ce qu'il a pu faire. Donc aujourd'hui, il faut absolument réinvestir dans la santé, réinvestir dans les services publics. Parce que, et encore une fois, c'est Dany qui dit si bien, pour rebâtir notre cohésion sociale, pour refaire société marocaine, eh bien il faut refaire les services publics, il faut que les services publics soient accessibles à tout le monde, en particulier à la santé. Il faut que la classe moyenne, pas simplement les personnes qui n'ont pas assez d'argent, mais que la classe moyenne et même que la classe aisée, comme dans tous les pays du monde, puisse aller à l'hôpital public en toute confiance, en toute sérénité. Donc, il faut créer un choc de confiance. Donc, le constat sur l'hôpital public aujourd'hui, partagé par l'ensemble des Marocains, jeunes et moins jeunes, et bien sûr particulièrement les jeunes, c'est que l'hôpital public aujourd'hui est défaillant, qu'il n'y a pas une bonne gestion, qu'il n'y a pas une bonne gouvernance, et surtout qu'il n'y a pas assez de médecins, qu'il n'y a pas de professionnels de santé. D'accord, mais effectivement, d'ailleurs, tout à l'heure, quand on a parlé, je crois que c'est le constat que tout le monde a dressé par rapport au système de santé. Mais aujourd'hui, c'est quoi les attentes? Quelles sont les attentes des jeunes par rapport à la santé? Les Qu'est-ce attentes des jeunes. qu'ils veulent aujourd'hui? On sait que Les le attentes. système de santé est inégalitaire. Qu'est-ce que les jeunes veulent aujourd'hui, eux? Donc, vous m'entendez? Il n'y a pas de problème de réseau? Non, ça Non. entend très bien. Donc, aujourd'hui, les attentes des jeunes par rapport au système de santé, par rapport surtout à l'hôpital public, c'est que l'hôpital public soit un lieu ouvert, soit un lieu accessible, soit un lieu où on peut trouver notre médecin, soit un lieu où on peut trouver notre infirmier, notre infirmière, soit un lieu où on peut aller en toute confiance sans être obligé, encore une fois, d'aller vers les cliniques privées. Aujourd'hui, vous savez, les cliniques privées, ils sont répartis surtout sur la côte Atlantique Nord, c'est-à-dire qu'il y a déjà une égalité d'accès à la santé. Donc, il faut absolument, et ça c'est l'urgence, qu'il y ait une égalité territoriale dans l'accès à la santé, dans l'accès à autre chose, à l'éducation, etc. Mais surtout, surtout la santé, et encore une fois, la crise l'a prouvé. Donc, il faut une égalité territoriale. Aujourd'hui, les solutions existent, notamment la télémédecine, notamment les applications médicales, notamment les sites web, il faut absolument les développer. Il y a une société marocaine de télémédecine qui a été créée. Aujourd'hui, c'est la voie que prend par exemple la France. Dans les zones rurales en France, aujourd'hui, ils se retrouvent au même problème. Les médecins n'ont pas envie d'aller là-bas. Il faut absolument développer la télémédecine pour justement qu'il y ait une égalité territoriale. Il faut donner plus de moyens. Quoi qu'il en coûte, moi, c'est une expression que je trouve appréciable, qui a été développée par pas mal d'économistes. Il faut développer la santé. Quoi qu'il en coûte, on ne peut plus penser aujourd'hui que la santé n'est qu'une dépense superflue. Non, il faut donner les moyens à la santé, il faut que le nouveau modèle de développement donne les moyens à la santé pour que justement les jeunes, la société marocaine puissent retrouver le chemin de l'hôpital public. Je pense que l'un des critères pour savoir si aujourd'hui on va réussir notre modèle de développement, ça serait qu'après que la commission sur le nouveau modèle de développement rentre, qu'après que. Parce que je crois que c'est une nécessité, je crois que ça sera fait qu'après que les budgets soient débloqués pour l'hôpital public, il faut qu'on voit est-ce que la classe moyenne a retrouvé le chemin de l'hôpital public? Est-ce que les jeunes ont retrouvé le chemin de l'hôpital public? Est-ce qu'ils ne sont plus aujourd'hui obligés d'aller dans les cliniques privées? C'est absolument un critère pour savoir si justement il y a une reprise de la confiance en l'hôpital public. Donc la principale attente, c'est réduire les inégalités territoriales dans l'accès à la santé et absolument, absolument remettre les moyens
dans le système de santé marocain. Il y a plein d'autres solutions qui existent, notamment un mécanisme, parce que l'une des critiques qui revient, parce qu'il n'y a pas que le manque de moyens, soyons clairs, il y a aussi une autocritique qui doit être faite sur le système de santé marocain, c'est la gestion. Aujourd'hui, je crois que tout le monde a vu les vidéos qui ont fait le buzz sur les réseaux sociaux, sur les services des urgences des CHU, où on voit les gens qui sont un peu entassés, où on voit les gens qui sont obligés de donner un pourboire à l'infirmier pour avoir un lit. Il y a une certaine réalité, même si elle est un peu faussée par les réseaux sociaux. Donc, il faut absolument revoir aussi la gestion et la gouvernance du système de santé pour retrouver cette confiance en le système de santé et en l'hôpital public. Et comment faire? Tout simplement en créant, comme dans les pays d'Europe, comme dans les pays d'Amérique, un conseil consultatif de santé ou un haut conseil de santé formé de professionnels, mais formé également de citoyens, qui sera un mécanisme d'accountabilité. C'est-à-dire qu'il va vérifier que les dépenses sur le système de santé ont bien été gérées et il va vérifier justement que la gouvernance a été revue et qu'il y a aujourd'hui une gouvernance transparente. Donc, il faut absolument que le citoyen se trouve devant une démarche participative, pas que dans la santé, mais aussi dans la santé pour justement retrouver cette confiance et créer ce choc de confiance et que les jeunes et moins jeunes puissent retrouver le chemin de l'hôpital public. D'accord. Merci, merci Ali. Je crois que Karim avait quelque chose à dire par rapport à cela, étant donné qu'on a parlé ici de gouvernance. Bon, c'est vrai qu'on parle de santé, on parle de gouvernance. Peut-être qu'il a quelque chose à dire. Vas-y, Karim. Alors, vous m'entendez très bien, je suppose, maintenant. Oui, on t'entend, là. Super. Alors, moi, je voulais réagir, non pas que par rapport à la gouvernance, mais aussi par rapport à l'éducation médicale, qui est quelque chose qui est très important, qui n'a pas été cité par Ali, c'est la formation des médecins. C'est la formation, aujourd'hui, la formation. Vous m'entendez? Oui. La formation des médecins est très importante. Aujourd'hui, un des moyens pour soigner la santé au Maroc, c'est de soigner ses médecins. Parce qu'aujourd'hui, l'école publique, la fac publique de médecine ne forme pas les médecins sur les aspects de soft skills, par exemple. On est beaucoup sur un modèle scientifique et moins sur un modèle humain. Et donc, aujourd'hui, il y a un aspect qui est très important, c'est cet aspect humain et cet aspect soft skills qu'il faut apprendre à nos médecins, parce qu'aujourd'hui, une des composantes principales du médecin, c'est la relation humaine qu'il a avec son patient, c'est la relation de confiance qu'il a avec son patient. Et aujourd'hui, il faut qu'on axe la formation sur ces aspects-là. Aujourd'hui, le coût de la formation d'un médecin, parce que je connais le sujet, parce que ma femme est dans le domaine, le coût de la formation d'un médecin dans nos secteurs publics avoisine les 100 000 dirhams par an aujourd'hui. Et est-ce que on en voit aujourd'hui, et là on revient à la gouvernance, est-ce qu'on en voit les fruits? Est-ce que c'est ça porte ses fruits? Quand, à titre indicatif, dans l'enseignement privé médical, on est plutôt dans les 130 000 dirhams, et donc la différence n'est pas si énorme que ça. Au final, des outils et du matériel qui n'ont rien à voir. Donc aujourd'hui, je pense que la partie gouvernance est importante, mais il faut l'appliquer aussi sur l'aspect formation des études médicales au Maroc. D'accord. Moi, j'aimerais juste compléter ce que Karim a dit. Il a tout à fait raison. Mm-hmm. Il faut absolument revoir la formation médicale. Donc moi, je ne voulais pas l'aborder parce que c'est quelque chose d'assez technique, parce que je voulais parler du système de santé en général. Mais aujourd'hui, il faut savoir quelque chose, c'est que la formation médicale au Maroc n'a pas été revue depuis les années 60-70. On a calqué un modèle sur la France, on est resté sur ce modèle. La France s'est développée, la France a amélioré, la France a évolué un petit peu dans la formation médicale. Aujourd'hui, le Maroc n'a toujours rien fait. Il y a une commission de réforme médicale qui a été nommée par le chef du gouvernement l'année dernière. Je sais qu'il y a d'excellents professeurs de médecine dans la commission spéciale sur le nouveau modèle de développement. Aujourd'hui, je ne sais pas si la formation médicale sera véritablement abordée, alors que c'est une réelle urgence. Il faut savoir quelque chose, et c'est limite sur le plan anecdotique, c'est-à-dire que vous pouvez malheureusement limite en rire, c'est qu'aujourd'hui, il y a deux concours pour accéder à la spécialité. On est le dernier pays au monde où on a encore deux concours pour accéder à la spécialité médicale. Il y a le concours d'internat, le concours de résidanat. Il faut savoir que le concours d'internat au Maroc a été créé dans les années 60-70 parce qu'on avait besoin d'urgentistes. Du coup, on a dit aux étudiants en médecine, voilà, on a besoin d'urgentistes, mais si vous passez le concours d'internat, on va vous utiliser comme urgentiste, c'est-à-dire comme cow-boy pour gérer les CHU, les services d'urgence des CHU, mais vous aurez accès à la spécialité plus facilement que si vous passez un deuxième concours. Ça, c'était dans les années 70, quand on avait urgemment besoin d'urgentistes. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Pourtant,
cette dichotomie entre les deux concours existe toujours, alors que c'est un système qui date des années 60-70. Donc, imaginez l'urgence. Donc, moi, je pense que concernant la formation médicale, comme tu as dit, Karim, il faut introduire une dose d'humanité, il faut introduire plus de cas cliniques, plus d'interactivité, ça, c'est quelque chose de sûr et certain. Il faut aussi enlever les aberrations qui datent quand même des années 60. Aujourd'hui, on ne peut plus dire à un étudiant en médecine, avec l'accès à Internet, avec l'accès à pas mal d'applications sur le téléphone, tu dois apprendre le nerf facial et c'est tout, sans même parfois comprendre, sans même... Donc, il faut vraiment revoir la formation médicale parce que tous les pays l'ont fait, même les pays voisins, la Tunisie, l'Algérie. Et il faut un concours national commun pour accéder à la spécialité. Il faut, ça, c'est défendu par des professeurs en médecine émérite. Il faut diminuer le nombre d'années en médecine. Je donne un exemple tout simple. En Roumanie, dans d'autres pays, les études de médecine, c'est 6 ans. Pourquoi ? Parce qu'en Roumanie, ils ont énormément besoin de médecins. Au Maroc également, on a besoin de médecins. On ne peut plus dire à un médecin, tu dois faire 7 ans, 8 ans pour faire ta thèse, pour devenir généraliste. Puis ensuite, tu dois faire 4 ans. Non, il faut diminuer le nombre d'années en études de médecine. Pourquoi ? Parce que le Maroc a aujourd'hui besoin de médecins. Vous savez, l'État, dans les années 2007, il a lancé un programme pour avoir 3300 médecins par an. Aujourd'hui, on en est encore loin. Il a lancé ça en 2007 pour qu'en 2020, on ait 3300 médecins par an. Et imaginez-vous qu'aujourd'hui, je crois qu'on forme moins de la moitié, voire le tiers. Donc, on a véritablement besoin de médecins et on a véritablement besoin de réformer les études médicales au Maroc. D'accord. Et aujourd'hui, c'est vrai, parce que là, quand tu parles de réforme des études médicales, je crois qu'il est ici question de ceux qui sont acteurs actuellement. Je veux dire, c'est le gouvernement, ce sont eux qui doivent réellement faire le travail. Il y a un manque de ça, je le dis très honnêtement, aujourd'hui, la santé a eu un manque de volonté politique sur les 10-15 dernières années. Aujourd'hui, vous savez, imaginez-vous un chiffre, cette année, 7,27% de budget pour la santé. Imaginez-vous que c'est le budget de santé le plus élevé au Maroc depuis 1960. C'est-à-dire que depuis les années 60-70, le budget de santé marocain, il a fait que diminuer par des politiques, encore une fois, que certains appellent néolibérales mondiales. Mais aujourd'hui, on a véritablement besoin de développer la santé. C'est une urgence. On ne peut plus faire le mou ou regarder ailleurs ou penser qu'en laissant les investisseurs privés, comme la loi sur les investisseurs qui peuvent créer leur clinique, eh bien, ça va résoudre les problèmes de santé parce que les investisseurs, ils s'enrichissent. Mais le peuple marocain, il a du mal justement à trouver des médecins dans les hôpitaux publics. Il faut réformer le système de santé, il faut réformer les études médicales. C'est l'urgence absolue, surtout après la crise qu'on vient de se passer. Et si ce message ne passe pas après la crise, il ne passera jamais. Il ne passera jamais, soyons clairs, il ne passera jamais. Donc, il faut faire pression sur les décideurs, sur les politiques publiques pour que la santé ait un niveau d'au moins 10 à 11% pour les prochaines années dans le budget et pour améliorer et refonder le système de santé marocain, notamment la formation médicale. D'accord. Donc, là, je comprends bien que c'est vraiment aux acteurs politiques de prendre la question à bras le corps. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la jeunesse aussi, elle peut faire quelque chose dans ce sens ou pas ? La jeunesse, elle peut faire pression, comme par exemple dans ce live. J'espère qu'il y a des décideurs politiques qui vont suivre ce live. J'espère qu'il y a des personnes qui ont le pouvoir de décision qui vont suivre, qui vont entendre cet appel urgent à refonder les choses, à refaire les choses, à prendre le taureau par les cornes et tout simplement d'agir. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le temps de regarder ailleurs. Aujourd'hui, vous savez, il y a une phrase de Chirac, la planète brûle et on regarde ailleurs. Ben, notre système de santé, ben, il a brûlé pendant des dizaines d'années et on a regardé ailleurs. Il faut vraiment prendre le taureau par les cornes. Et la jeunesse, ben, ce qu'elle peut faire, et de toute façon, tout ce qu'elle peut faire, c'est faire pression. Elle doit faire pression pour entendre ce message, elle doit faire pression pour qu'enfin on prenne les choses. Moi, je pense qu'au-delà de faire... Lamia, tu avais quelque chose à dire ? Oui. Oui, au-delà de faire pression, bien sûr qu'il faut faire pression. C'est un devoir citoyen que de s'indigner, que de dénoncer. Je suis tout à fait de ton avis. Et au-delà que de faire pression, si jamais, par un malheureux hasard, ces revendications ne sont pas écoutées ou entendues, il faut faire tout ce qui est en notre possibilité pour nous-mêmes mener des initiatives. Il n'y a pas de petites actions, il n'y a que de bonnes actions. Et je pense que justement, c'est dans un climat quand même très inégalitaire que malgré vraiment les grosses inégalités, il y a beaucoup de revendications qui sont communes, notamment relativement à l'égalité et à la liberté.
Certes, on n'y fait pas face de la même manière selon nos conditions, mais nous partageons beaucoup de revendications similaires. Donc, c'est le moment de prendre le lead, de prendre l'avant et de mener des initiatives si jamais nos revendications ne sont pas écoutées. Tout à fait. C'est pour ça qu'il faut s'engager. C'est pour ça qu'il faut absolument s'engager et ne pas se laisser faire et ne pas juste regarder. Il faut que les jeunes s'engagent. Je crois que c'est le principal message de ce webinaire. C'est l'engagement. D'ailleurs, c'est pas l'effet. Il avait dit indignez-vous et ensuite il avait dit engagez-vous. Oui. C'est là, en fait, c'est là qu'on comprend que tous ces domaines-là, que ce soit la politique, l'économie, le social, ils s'imbriquent vraiment. Donc, on ne peut pas les séparer. Il faut vraiment qu'à tous les niveaux, qu'on puisse retrouver les jeunes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on les retrouve dans la société civile, mais il faut vraiment aussi plus d'implication au niveau politique, parce que sinon, on ne pourra pas vraiment y arriver. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre avait quelque chose à dire avant que nous puissions passer au mot de la fin. Oui, Karim, peut-être. Je pense que la réponse doit être collective. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se dise « il faut », le terme « il faut qu'on soit banni ». Moi, je suis pour qu'on dise « on doit ». On doit, parce que chacun de nous est responsable, on doit être tous responsables collectivement de comment on avance dans ce pays. C'est-à-dire quand un médecin dit « il faut que le médecin aussi agisse à sa manière. Il faut que moi, Karim, au niveau de la société civile ou autre, de faire des propositions, de réfléchir, de œuvrer pour qu'on avance tous ensemble. Et soyez sûrs et certains, on est 37 millions de Marocains, et même plus, si on compte les citoyens du monde qui sont au Maroc, si chacun de nous est engagé, que si chacun de nous, collectivement, chacun de nous fait quelque chose pour œuvrer, pour faire avancer les choses, soyez sûrs et certains qu'on va avancer. Par contre, si on reste tous derrière nos réseaux sociaux, qu'on reste derrière nos téléphones, et qu'on se dise juste « il faut ben », on n'avancera jamais. Donc, le principal collectif. Et aujourd'hui, c'est une intelligence collective qu'on doit tout d'arriver au leadership pour qu'il y ait une conscience collective qui sait combien on a fait, qui ont besoin d'énergie et qui ont besoin de... Merci Karim. C'est vrai qu'on t'a perdu vers la fin. Merci en tout cas. Et je vous dis merci en tout cas parce qu'on a pu aujourd'hui vraiment aborder cette question sous différents angles. On a parlé de la politique, on a parlé de l'économie, on a parlé de l'éducation, on a parlé de la santé. Et donc là, je crois bien qu'il est important que pour nos internautes, pour ceux qui nous suivent, qu'on puisse tirer une conclusion par rapport à ce thème que nous avons abordé aujourd'hui. Quelle place pour la jeunesse marocaine au cœur du nouveau modèle de développement? Et donc, puisque nous arrivons à la fin, je crois que je vais donner la parole à chacun d'entre nous pour nous dire un tout petit peu son mot de la fin par rapport à ce thème si important que nous avons développé et que nous avons abordé ce matin. Peut-être je vais commencer par Chamel, comme ça tu peux nous dire... Alors moi, pour clôturer tout ce qui est économie, entrepreneuriat, je dirais que c'est aujourd'hui c'est le bon moment pour croire au potentiel des jeunes. C'est le bon moment de leur donner les moyens d'investir dans leurs projets et les pousser vraiment à investir et de créer de l'emploi, créer de la valeur ajoutée aujourd'hui pour l'économie marocaine. Merci. Et Lamia? Alors, moi, j'aimerais bien conclure sur une note engagée et plutôt optimiste. On l'a très bien répété à plusieurs reprises et éminemment auprès des excellents intervenants. Il faut commencer par dénoncer, faire pression, mais ça ne suffit pas. Il faut combattre l'injustice. Il ne suffit pas de la dénoncer. Donc, il faut s'investir de cette mission parce que ça vous concerne directement. Que vous soyez jeune à l'étranger, jeune marocain à l'étranger ou au Maroc, vous êtes concerné par le devenir de votre pays. Donc vraiment, j'aimerais qu'on se sente tous impliqués. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup dire sur les live débats que l'on fait toutes les semaines. Si nous ne provoquons pas le changement, qui le fera? Et si on ne le fait pas maintenant, alors quand on le fera? Merci beaucoup, Lamia.
Ali, est-ce que tu as quelque chose à nous dire pour la fin? Ben, moi, je pense qu'il faut absolument croire en notre pays. Je pense qu'il faut absolument penser que le Maroc, c'est un grand pays, c'est un beau pays et que, et justement sur la même note que la mienne, je pense que tous nos problèmes sont surmontables. Je pense que tout est surmontable si on s'y met en commun. Je pense que les jeunes aujourd'hui, il faut qu'ils s'engagent, il faut qu'ils s'impliquent, que ce soit en politique ou que ce soit dans l'associatif, il faut absolument qu'ils s'impliquent parce que ce sera eux les futurs citoyens de demain, ce sera eux qui construiront le Maroc de demain et surtout ce sera eux qui corrigeront les imperfections et les injustices. Et s'ils ne s'engagent pas, comme a dit Lamia encore une fois, ben justement, qui fera. Il faut absolument que tout le monde s'engage et j'espère que les internautes qui regarderont ce live garderont cette note-là, qu'il faut absolument s'engager. L'année prochaine, là, il y a les élections. Je vous demande vraiment, je demande à tout le monde et à tous les jeunes d'aller voter. Allez voter. C'est un acte civique, c'est un acte citoyen. C'est ça qui construira le Maroc de demain. On ne peut pas dire qu'ils sont tous pourris. Même si vous pensez que tous ils sont pourris, au moins allez voter pour ceux qui sont les plus proches de vous ou pour ceux dont le programme vous a le plus convaincu ou pour celui qui a le meilleur programme. Il faut absolument aller voter parce que c'est ça un véritable acte de changement et ça sera le premier acte de changement, je pense, d'après le nouveau modèle de développement. Il faut absolument aller voter. Bravo. Merci. Merci beaucoup, Ali, pour ta note, en tout cas, de fin. Et comme on a commencé avec Karim dans les interventions, je crois qu'on va terminer aussi avec lui. Est-ce qu'on pourrait avoir ton mot de fin, Karim? Je ne sais pas s'il nous entend. Vous m'entendez? Oui, là, c'est bon. Oui. Alors, le mot de la fin pour moi, ça va être sur trois mots. Espoir, leadership et demain. Et à cette occasion, je veux juste passer un message. Tizi a lancé ce matin l'appel à candidature pour détecter les espoirs marocains leaders de demain dans différentes catégories. Donc, j'appelle aux jeunes s'ils ont du talent, dans quel que soit leur talent, que ce soit dans la politique, dans l'art, ou s'ils sont engagés, ou quoi que ce soit, ils veulent servir leur pays, bah, qu'ils candidatent et que peut-être avec nous, ils auront accès à une bourse de formation à la Harvard Kennedy School en leadership. Et donc, je lance à travers ce webinaire l'appel à candidature pour lequel on souhaite accompagner vraiment les jeunes marocains pour être les leaders de demain. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Karim. Et je vous remercie infiniment. On aura compris quelle est la place de la jeunesse marocaine au cœur du nouveau modèle de développement. C'est un rôle à jouer à la fois sur les plans économiques, sur le plan politique, sur le plan social, au niveau de l'éducation, au niveau aussi de la santé. Tous ces domaines-là, comme je le disais tantôt, s'imbriquent et il est important aujourd'hui qu'on puisse quitter 1% d'engagement politique des jeunes. Il faudrait qu'au prochain webinaire, je ne sais pas, d'ici quelques années, que ce chiffre puisse augmenter et qu'on voit véritablement qu'il y a des progrès parce que si on parle de nouveaux modèles de développement aujourd'hui, c'est vraiment, on s'inscrit dans une évolution, on s'inscrit dans un changement et je crois qu'il faudrait pouvoir aussi à un certain moment mesurer cela de manière palpable. Voilà. Donc, je vous remercie infiniment, chers intervenants, pour vos éclairages. Merci infiniment pour votre disposition, pour le temps que vous avez accordé aujourd'hui pour parler de ce thème-là. Je le rappelle encore, quelle place pour la jeunesse au cœur du nouveau modèle de développement. En tout cas, je vous remercie. Je remercie Shamal de Go For Work. Merci infiniment pour ton temps et pour tes précieuses interventions. Merci Lamia, merci vraiment pour tes interventions. Parité, diversité. Merci à vous. Merci Ali aussi pour le partage de ton expérience et pour voilà, tes avis sur la question de la santé. Merci infiniment aussi Karim pour cet appel à l'engagement politique des jeunes. Et je remercie aussi tous les internautes qui nous ont suivis aujourd'hui. Je crois bien que tout ceci a pu avoir une résonance positive et qu'effectivement, la jeunesse marocaine va vraiment prendre le rôle qui est le sien et le jouer effectivement pour aboutir à un Maroc de changement, pour avoir un Maroc meilleur,
où il n'y a plus d'inégalité, un Maroc où règne la justice sociale. C'est le souhait de tous. Je crois que c'est le souhait de vous aussi qui avez intervenu ce matin. Donc, je vous dis merci. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et je vous dis à bientôt. Merci encore. Au revoir.